J'aime danser. Danser, la réponse. Danser, les blues. Quand vous dansez, tout, danser et sourire. Yes. Danser, en smiling. Ça te fait devenir chien. Et puis, c'est confident. C'est toujours comme ça. Going to minister, and I was like, wow. I looked onto the program and I saw the team. Pastor was preparing. Quand je me préparais par rapport à ce programme, God spoke to me. Dieu m'a parlé. I said, do you know it is time for awakeness? Et il m'a dit, est-ce que tu sais que c'est le temps du réveil? Time to wake up. Le temps de se réveiller. And that's what I take my soft topic for the day. Topics that I have. Et c'est pourquoi j'ai pris mon thème des thèmes que j'ai. Wake up time. Le temps du réveil. Amen. It's wake up time. Le temps du réveil. When you look at what is wake up time. Quand tu regardes, c'est le temps it's du réveil. About now. Ça veut dire c'est maintenant. Yeah, so. Right now. Amen. Talking about now. C'est maintenant. When you look at the book of Isaiah chapter 60 verse 1, which is our quand vous regardez le livre d'Isaïe 60 verset 1 qui est notre word for arise and shine for this woman of grace convention qui est notre point de base pour la convention des femmes. That was where it was delivered. Yeah. Et parce qu'il y a deux ans de cela quand tu es venu, c'est là où le thème a été tiré. I tried to move to rush into possessing. God said, go back to arise and shine. J'ai essayé d'avancer dans posséder. Dieu m'a dit, retourne dans, lève-toi et brille. You cannot possess where you've not decided to rise up. Tu ne peux pas posséder quand tu n'as pas décidé de te lever. That means when God says arise. Ça veut dire quand Dieu dit, lève-toi. That means you have been sitting or you have been sleeping. Ça veut dire soit tu dors, soit tu t'es assis. Donc il y a un réveil, une alerte, une alerte. And I commission à la motion that there is something new. Qu'il y a quelque chose qui va être en place. Qui est sur le point de prendre place. To stand up et quelqu'un doit se lever et voir. He said, look. Il dit, regarde and see et voir. Until you see it, jusqu'à ce que tu vois, tu ne pourras pas posséder. Hey, speak to me, speak to me. And when you look at these two words, et lorsque vous regardez ces deux mots, or when you look at the book of Isaiah, dans le livre d'Isaïe, lève-toi, sois éclairé. Amen. Amen. Ah, on parle français maintenant. Now we are speaking French. We have to read it in French. Lève-toi, arise, sois éclairé. And be light. C'est deux mots. Two words. Deux mots qui va faire que la lumière va arriver et la foi. There is two words there. Il y a deux mots là-bas. That make up Isaiah 60. Qui a fait que Isaïe voit. Verset 1. Il dit, arise, shine. Et il lève la light is come and the glory of God is risen upon you. Now when you look at verse 2, quand ça l'on verset 2 de Isaïe 60, I say, for behold, the darkness shall cover the earth, the gross darkness is the people, but the Lord shall rise unto thee, and his glory shall be seen upon you. It does not matter. Peu importe. The situation. Les situations. It does not matter. Peu importe. The darkness. Les ténèbres. It does not matter. Peu importe. It will be there. Il sera présent. It's natural. C'est naturel. It must be there. Ça doit être là. For they that believe in God. Mais ceux qui croient en Dieu. They that know their God. Ceux qui connaissent leur they Dieu. They that know when an alarm is being rung. Ceux qui savent que l'alerte est sonnée. Ah, yeah. Oh, yes. Vont posséder. We shine. Vont prier. Amen. So as I was preparing this message, donc comme je préparais le message, I found out that these two words, j'ai découvert que ces deux mots, has something to do with divine plan of commandment of God. A quelque chose à voir avec le divin plan de l'ordre de Dieu. Arise and shine. Lève-toi et brille.
He's talking about transformation or transforming life to better. C'est, ça parle de transformation ou de transformer la vie dans le meilleur. It is also a word of encouragement to someone who is wounded or defeated by circumstances of life. C'est aussi une parole d'encouragement pour quelqu'un qui est blessé ou vaincu par les circonstances de la vie. Ephesians 5:14 says. Ephesians 5:14 dit. Wherefore he said, awake thou sleeper, and rise from the dead, and Christ shall give thee light. C'est pour cela qu'il dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Someone which is dead. Quelqu'un qui est mort. When Mama Rita was exhorted, he said the madman. Quand Mama Rita est sortie, elle disait le fou. No one can hold him. Personne ne pouvait l'attraper. He was dead but living. Il était mort vivant. Yes, so. Many people. Plusieurs. Why they could not possess or why they could not get up or why they could not shine. Pourquoi ils ne peuvent pas briller ni posséder ni avoir. I'm trying to interwove with the arise and shine and possession. J'essaie de complémenter à lève-toi et brille. I'm not really going to eat. Mais je ne vais pas entrer dans cela ce soir. Many could not because they are dead. Beaucoup ne peuvent pas parce qu'ils sont morts. Because they fell into the three categories that she mentioned. Parce qu'ils sont dans les trois catégories qui ont été mentionnées. But Christ is saying today, awake thou sleeper. Mais Christ dit aujourd'hui, réveille-toi, dormeur. Arise from your dead. Lève-toi de ta mort. Wake up. Réveille-toi. All you sleeper. Oh, toi, dormeur. Un peu dormir, un peu croiser les mains. La pauvreté va venir de you are not shining because you decide to sleep. Tu ne pries pas parce que tu as décidé de dormir. There are people that don't sleep more than their self. Il y a des gens qui aiment dormir plus que leur propre corps. People don't have rubber coming to the house and carry and drop outside, you are still sleeping. Même si le voleur tient une fois plus. Jusqu'à quand vas-tu dormir? Why is it we have many in the church? Some people are shining, but you are not shining. Pourquoi est-ce que nous sommes nombreux à l'église quand on prie, toi tu ne pries pas? Parce que tu dors. Yes, so. Alléluia. Alléluia. I don't know what I'm talking to here. If I say that all hope is lost, peut-être que l'espoir est perdu. For no hope is lost. Aucun espoir ne se perd. Hope revives hope. L'espoir réveille l'espoir. Amen. 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 I get it. Amen. 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 Even though your hope is dead, même si ton espoir est mort, Mama hope will revive your hope. L'espoir de maman va réveiller ton espoir. My hope will revive the hope. Oh, ton espoir va réveiller ton espoir. We have sister hope in the house. On a l'espoir dans la maison. Amen. Arise and shine. Lève-toi et brille. Now, what do you must know? Maintenant, une chose que vous devez connaître. When you're drawn out of life, quand tu es rejeté hors de la vie, you, quand tu es les choses les tomber, mais c'est pas grave. Alléluia, merci. Toutes les femmes avec bijoux. Alléluia. C'est le programme de maman. It is only divine word. C'est seulement une parole divine from God. De Dieu. It's only divine word from God. C'est seulement une parole divine de Dieu. Can make you pass back. Yes. Qui peut te faire surmonter. Amen. When you are out of success. Quand tu es en dehors du succès. And you accept the divine word of God. Et tu acceptes la parole divine de Dieu. Into success. Ça te propulse dans le succès. Divine word of God will take you from bottom and lift you up to the top of top. La parole divine de Dieu te prend du fin fond et te met au top de la montagne.
pays. Dieu a tout ce qu'il faut pour toi pour être. That is why c'est où je arrive. C'est pourquoi il demande de nous lever. What do you must know? Une chose que vous devez savoir. Yes, we're just speaking of, you know, when you're sometimes when you're preparing messages, you hear words. You à l'avant, quand tu prépares des messages, tu entends la parole. À un moment donné, c'est ton temps. Dieu nous a fait pour mettre you to flourish. Et à un moment donné, Dieu dit, ma fille, est-ce que tu sais que la faveur te fait fleurir? Grace make you great. Et la grâce te rend grand. Why mercy make you might? Alors que la miséricorde te rend puissant. When you possess these three things. Quand tu possèdes ces trois choses. I can't see anything that will make you to be one place. Je ne peux pas voir quelque chose qui peut te mettre à un certain point. I can't see anything that will make you not to get what you want. Je ne vois rien qui puisse t'empêcher d'avoir ce que tu dois avoir. Is someone hearing me? Est-ce que quelqu'un m'entend? I hear you. I hear you. It is there for you. C'est là pour toi. God has a glorious plan for each and every one of us. Dieu a un plan glorieux pour tout un chacun. That is why God don't want us to be stagnant. C'est pourquoi il ne veut pas que nous soyons stagnants. He does not want us to be adamant. Il ne veut pas que nous soyons sur place. God does not like it. Dieu n'aime pas ça. That is why he said. C'est pourquoi il dit. It is a waking time. C'est le temps de réveil. Amen. 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 It is time to move. C'est le temps d'avancer. Move further. Va de l'avant. Amen. You can do it. Tu peux le faire. Amen. You can move. Tu peux avancer. Is someone hearing me? Est-ce que quelqu'un m'entend? All you need is to make up your mind. Tout ce dont tu as besoin, c'est de when décider. You make up your mind, quand tu te décides. When you wake up, quand tu te réveilles. Then your time will come. Alors ton temps arrive. Glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When you rise up, quand tu te réveilles, from whatever state, de quel que soit l'état, failure, d'échec, or backwardness you find yourself, ou bien de retrograde où tu te trouves, you will see that you will shine. Tu vas voir que tu vas briller. Amen. It does not matter the circumstances. Peu importe les circonstances. Knowing that the light of God. Faut savoir que la lumière de when Dieu, the light of God shines in your life, qu'elle brille dans ta vie, then this revelation will be revealed to you. Alors sa révélation te sera révélée. Amen. As I was preparing, I wrote something. Pendant que je me préparais, j'ai fait quelque chose. I said the light of God is the container that emanates out by the revelation of God. J'ai écrit la lumière de Dieu sur le contenu qui nous illumine par la révélation de Dieu. And this thing God designed for our life. Et ces choses que Dieu désire pour nos vies. Are not hidden realm. They are not hidden. Elles sont pas cachées. Is someone listening to me? Est-ce que quelqu'un me comprend? The revelation of God is not hidden. La révélation de Dieu n'est pas cachée. It is not. Ce n'est pas caché. All you need is to get into the realm of the knowledge. Tout ce que tu dois faire, c'est d'entrer dans le règne de la connaissance. When you get into the realm of his knowledge. Quand tu entres dans le règne de sa connaissance. Get into the realm. Entre dans le règne of his revelation. De sa révélation. Learn to know about the knowledge. Connaître pour avoir la connaissance. Knowing knowledge. Avoir la connaissance. Or having the head of knowledge. Ou bien avoir une tête pleine d'écriture. Is simply knowledge. C'est simplement la connaissance. Amen. The problem we have. Le problème que nous avons. We refuse. Nous refusons to connect. De se connecter. Into the realm. Dans le règne. Peut-être tu t'attendais que je viens dire, oh, lève-toi, non, je veux poser des fondations. You need it. Tu as besoin de cela. When you sit down with the word of God, quand tu t'assois dans la parole de Dieu, then the God of the world will sit with you. Alors le Dieu de la parole s'assiera avec toi. I'll show you revelation. Et te donnera les révélations. Amen. 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 You want to possess. Tu veux posséder. You cannot possess without the revelation. Tu ne peux pas posséder sans révélation. Position or possessing has there's a lot of things to possess. Yes, position. Possess. Non, si tu n'es pas connecté dans le règne et connaître la parole, tu ne
Hallelujah. Hallelujah. But let us see a few points or one or two points that will help us to really shine. Donc, essayons de voir deux ou trois points qui vont nous aider à briller. Wake up time. Do you understand me? Souvenez-vous, c'est le temps de se réveiller. Wake up. Réveille-toi. Arise. Lève-toi. And shine. Et brille. What are those things? Quelles sont ces choses that will help us to shine? Qui vont nous aider à briller? What are we going to do? Qu'est-ce que nous allons faire? Because when you shine, parce que quand tu brilles, shine has to do when you arise, then you will shine. Tu te lèves avant de briller. Mm-hmm. When you arise. Quand tu te lèves. But there are things that will make you to arise. Mais il y a des choses qui vont te demander de briller. Jusqu'à ce que tu te lèves. Shine will not come. Tu ne vas pas briller. Shining will not come. Tu vas pas briller. And when you shine, et quand tu brilles, that means there is something you possess that make you to shine. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as possédé qui te fait briller. Mm-hmm. Mm-hmm. So you cannot possess donc, things like that. Something will provoke it. Donc tu peux pas posséder comme cela. Tu vas provoquer. Il y a quelque chose qui va te provoquer. When that thing is provoked, et quand cette chose te provoque, I possess it. Et tu possèdes cela. Shine now. On va dire, oh, la fille a pris maintenant. Oh, elle prie maintenant. Le ministère a pris maintenant. Ça, c'est l'anglais de Nigeria, le Fidji. Yes. Hallelujah. Then I thought, I said, God, what is it that God said to me? J'ai dit, Dieu, c'est quoi? Et il me dit, one of the things that will make a man to possess, or one of the things that will make a man to shine. Une des choses qui va faire que l'homme brille ou bien possède. What will make a man to wake up? God, something has to make him or her to wake up. Ce qui va faire qu'une personne se lève, parce qu'il y a quelque chose qui doit repousser à se lever. That woman, I'm talking to women of grace. Cette femme, je parle avec aux femmes de grâce. The papas that are opportune to be in this convention. Et les papas qui se trouvent dans cette convention. One of the things is willingness. L'une des choses, c'est la volonté. Amen. 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 Willingness. La volonté. Amen. Isaiah. Esaïe. Says something. A dit quelque chose. Mm-hmm. Wow. Ouvrons nos Bibles dans Esaïe. Mm. I love what he said in verse 19 to 20. Holy Spirit, help me now. Isaiah, are we there? Yes. Esaïe, ils sont dans la page. Isaiah 1. Esaïe 1. Verse 19 and 20. Verset 19 et 20, que quelqu'un lise pour moi. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le nerf, car la bouche de l'Éternel a parlé. If you want to shine, si tu veux briller, if you want to possess, si tu veux posséder, you must have a willing heart. Tu dois être volontaire. Amen. He said, if you want to eat of the good of the land, that is the provision. Et si tu veux manger les meilleurs produits de la terre, I want to take back all that the devil has stolen from me. Tu veux récupérer tout ce que le diable t'a volé. Il y a une condition. You must have a heart of willingness. Tu dois être volontaire. And you cannot have a heart of willingness without being obedient. Tu ne peux pas être volontaire sans être obéissant. Because willingness and obedience interwoes. Parce que le volontariat et l'obéissance se font ensemble. You must be obedient. Tu dois être obéissant. When
8 verse 12. What did it say? Corinthiens chapitre 8 verset 7. Qu'est-ce que ça dit? For there will be false winning minds. Can somebody read? Est-ce que quelqu'un peut lire? 8 12. Verset 12. De Corinthiens 8 12. English speak. Where is that my brother? Hey, go, hold on, sir. Faites pause, monsieur. If there be first, s'il y a premier comment, a willing mind, une volonté. First. Yes. Premier comment. God is a God of condition. Dieu, c'est un Dieu de condition. Amen. Amen. Ça veut dire, c'est God, hein? Shine that side. Don't pray on north. Don't pray on south. Every other
kingdom that does not salute God's name. Good and good for you, for you be the salut par Dieu, mon fléchi. Forcément. Be careful. Fais attention. It is time for you to make up your mind. Il est temps pour toi de te décider. Alléluia. Alléluia. One thing I was saying when I was studying Arise and Shine, and God said to me. Une chose que j'étudiais quand j'ai parlé de l'esprit. It was like just open just like that. And a man, I saw a man sitting. Et j'ai vu juste un homme assis. Bon, bien, une woman conference, a woman sitting. D'abord, nous avons une femme assise. And the woman is here. Et la femme est là. Hey! Oh! We met her là-bas. Yes, put it there. Hey, toi! You. Arrête ça là-bas. Remove it there. Oh, you! Oh, toi! Est-ce que tu as mis les seins dans les pamites là? Have you put the sword in the foot? Hey, toi! Oh, you! Elle est dans les chaises. She's sitting down. My God. Yes, sir. Somebody Yeah, you. When you sit
to judge certain people. J'aurais dû mettre mon habit de juge. La juger certaines personnes à juger. C'est quoi? Ce n'est pas l'écriture. C'est l'écriture. Two women born. Oh, des femmes accouchées. Two women born. Des femmes accouchées. Des femmes. Et le malade, lui, elle a tué son, sa fille. Son one in a nine killed his son or daughter. Tell me. I'm talking about vigilance. Je parle de la vigilance. Oh, yes. And the second woman woke up in the morning. Et la deuxième s'est réveillée le matin. The Bible says. La Bible dit. And he looked attentively. Et elle a regardé attentivement. Elle a bien regardé. Elle a regardé bien même. Because she knew. Parce qu'elle savait. She's a very vigilant woman. Parce qu'elle est une femme très vigilante. She cannot sleep on elle the bed. Elle ne pouvait pas dormir sur le bébé. But most of us. Mais. We have sleep on our miracles. Parce nous dormons sur nos miracles. We have sleep on our marriages. Nous dormons sur nos miracles. We have sleep on our careers. Nous dormons sur nos miracles. We have sleep on our businesses. Nous dormons sur nos affaires. And that is why. Et c'est pourquoi. When money comes. Quand ça vient. We say no, no, no. Quand ça vient. All those women who take things that belong to you. Tous les gens qui ont été, ils vont prendre tout qui est à côté. All those women, they will take
decide. Parce que comme je décide. When I have determination in me, quand j'ai cette determination, I have decided to do this. De faire ceci. Then I will come out to decision. Alors je vais me tenir à cette décision. Because I was not able to take decision. Parce que je n'étais pas capable de prendre une décision. Because I have not determined. Parce que je n'étais pas déterminé. Now that I have determined, maintenant que je suis déterminé, I will take my decision. Je vais prendre ma décision. Amen. 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 If you want to arise and shine, si tu veux te lever et briller, don't forget it's a waking time. N'oublie pas, c'est le temps de réveil. Yes. Yes. If you want to possess, si tu veux posséder, you must decide. Tu dois décider. Your decision has to determine your determination. Must be with your determination. Tu dois déterminer et tu dois être avec ta détermination. Don't have determination. Il y a certains qui n'ont pas de détermination. No ambition. Pas d'ambition. Yes. No future. Pas de vision. No future. Pas de futur. Il réveille le matin. Ah, Dieu, merci, alléluia. Il va comme il est mort. Oh, God, thank you, alléluia. Many big blessings come. Oh, Seigneur, je te bénis aujourd'hui. Oh, Lord, I'm blessed for today. Dieu, merci parce que tout que je pose aujourd'hui, tu fais. Oh, Lord, thank you because everything I wear today, you gave it to me. Il va te donner. Yes, he will give it to you. Il va nous donner nos pain quotidien. He said we give our daily bread. Il va te donner. He will give it to you. Est-ce que c'est ça ton futur? But is that your future? Il y a des gens qui bouffent. There are people only eating. Eating. I'm going to go. Tout le pasteur. Everything was passing inside. Le nouveau matin qui est sorti. Il y a des gens restés comme nous. Moi, j'aime ma programme. J'aime pizza pour moi. I like pizza. Mais je ne vais pas laisser les pizzas pour me pisser. Determination is
mission and accomplishment of God's goals. La détermination, c'est la capacité de prendre des décisions difficiles pour accomplir le but. Based on the truth of the word of God. Basé sur la vérité de la parole de Dieu. Regardless of the resistance that may occur. Sans regard pour la résistance qui peut y être accordée. Amen. Amen. Determination again. La détermination. Is the ability to set ourselves towards godly pursuit. C'est la capacité de nous mettre par-dessus le but poursuivi par Dieu. And not allowing ourselves to be distracted or discouraged. Et de ne pas nous permettre d'être distrait ou bien découragé. Most of time. La plupart du temps. When we make up a decision. Quand nous prenons une décision. We have determination to do something. Nous avons la détermination à faire quelque chose. That is when certain circumstances will happen. C'est là où certaines circonstances apparaissent. That is when certain things will come to discourage you. Par la grâce spéciale de Dieu, nous allons continuer demain. On continue.
terminer ma discours. Peut-être que je vais donner un seul point de mail. But I want to speak to somebody. Mais je veux m'adresser à une personne. You see, I don't want to leave you many, 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 many. Yes, je veux m'en donner plus. J'ai découvert.